Alors bonjour, bienvenue sur Barrette Volleyball. Nous sommes au tournoi championnat provincial scolaire 2019 catégorie cadette. Match opposant les mousquetaires de la polyvalente Montignac aux maraudeurs du collège Laval. On va être François Barrette, je fais la description de ce match. Les mousquetaires ont remporté leur duel face au CSA. Quant à elle, le collège Laval a partagé les honneurs. Donc la première place est toujours sur la table dans ce pool de ronde préliminaire. Deux équipes qui ont un excellent contrôle de ballon devraient assister à tout un match. Pour ce duel. C'est le collège Laval qui débute au service avec Brittany Leblanc. Brittany au service pour les maraudeurs. Donc réception difficile encore une fois des mousquetaires. Brittany passe arrière, c'est Julia qui s'ajuste, sa frappe est bloquée au centre par les mousquetaires. L'échange est poursuit. On y va en 4 cette fois-ci. Vraiment bloqué. Ouais, on a du jeu au filet serré. Service pour les mousquetaires. Réception d'élan à Brittany. On envoie au centre. La frappe de numéro 9, récupérant défensive. Contre-attaque des mousquetaires. Et la numéro 5, Audrey Goyette. Sa frappe ne traversera pas le filet. La balle reprendra le service. Ça enverra élan. Donc, réception des mousquetaires à Nel. Audrey Goyette a mis servir. Donc, réception de Camille, hein, Brittany, confrontation. On vient avec Audrey au service. Réception de Camille. À Brittany passe en 4. C'est Béatrice frappe qui est récupérée par la libéro, la numéro 9, Mathilde. Attaque de Florence récupérée par Laval. Passe en 2. C'est Julia qui s'ajuste. Frappe. Et on revient avec Audrey au service pour les mousquetaires. Réception de Camille. À Brittany, passe en 4 à Béatrice. Encore une fois, il prend de l'avance sur la salle derrière. Les mousquetaires en profitent et s'échappent. Ils ont maintenant 3 points d'avance. Et un temps de maintenant défenseur, François Michaud, l'entraîneur du collège Laval. On prend ce premier set. Audrey Goyette au service, toujours pour Montignac. Réception démarre. À Brittany, on s'en va au centre. Yeah.
ça va, ça leur fait mal. Alors maintenant, les mousquetaires poursuivent les services avec Audrey sur une belle séquence. Réception à Brittany, on s'en va à Béatrice, frappe de Béatrice. Cette fois-ci, un point sans équivoque, la frappe par-dessus le bloc qui marque en 6. Laval reprendra le service, elles enverront Marie Champoux, la numéro 9. Réception de Florence. On vient à elle. Florence, la position 4, défensive d'Aimant. À Brittany, on s'en va en ligne arrière. Marie envoie un ballon facile au mousquetaire qui contre-attaque du centre. Camille Fortier. Elle visait le service goal. Par contre, son ballon roule du sens inverse et retombe du côté de Montignac. Ça va permettre à Laval de récupérer, elle qui accuse un retard de 3 points. Julia Lapointe au service pour Laval. Après la ligne de près, à son point, la belle série qui va en faveur des mousquetaires. C'est 8-4. Pamela Gagné au service pour les mousquetaires. Sortir de Camille à Brittany qui passe à Béatrice encore une fois. Tic-tac-toe, la passe à Béatrice Auden. Elle marque le point en 6. C'est 5-8. Il y a un trou béant en 6 du côté des mousquetaires. La balle en profite inscrit 2 points constructifs. Voilà, Béatrice Audin au service pour Laval. Encore une fois, Laval donne un point du côté, il la porte le temps. C'est 9 à 5. Florence Allé au service pour Montignac. Manchette en 4, Emma doit s'ajuster, type qui touche l'antenne, c'est 11 à 3. Bien, Florence pour une belle séquence pour Montignac, réception difficile pour l'extérieur, c'est 12 à 3. Toujours Florence Allé au service sur une belle séquence pour Montignac. Encore un bon service, réception de Camille. À Brittany, passe arrière à Julia de la ligne arrière. Défensive au passeur. On envoie à Audrey, type récupéré par Julia. Alors on donne tout le premier contact là, à Montignac qui contre-attaque immédiatement. Béatrice Ballon, facile, qui touche un panier de Marcel dans le ballon. Pour Laval, qui s'est creusé elle-même un trou, doit s'en sortir. C'est surtout des erreurs d'exécution que les mousquetaires en profitent jusqu'à présent. Donc 13 à 5, on vient avec Florence sur toute une séquence au service. Réception de Camille, c'est remise à Emma, contre-attaque récupérée par la libéraux. On passe arrière, c'est à la numéro 7, contre-attaque. Récupéré par les mousquetaires, on vient avec Audrey, sa frappe est allée dans le filet. Donc, Méliane Véronneau, service pour le maraudeur. On a une situation
réception de Béatrice. On passe en 4 aimants, frappe d'aimant. La ligne, non, cette fois-ci. On appelle le point pour la balle. On joue les lignes, côté d'avant, cette fois-ci ça paye. On revient au service avec Brittany. Le blanc, donc, la passeuse des maraudeurs. Réception à Naël. On va avoir Audrey en 4, défensive de Camille. À Brittany, passe arrière à Julia. Frappe de Julia, défensive. La numéro 3, c'est Pamela. Ballon face. On remet à Audrey, type par-dessus le bloc, récupéré par Brittany. On remet à Julia. Frappe récupérée par la numéro 9, Mathilde, la libéro. Défensive de Béatrice. À Camille, on vient à Emma. Frappe d'Emma par-dessus le bloc. Anaël Mercier, la passeuse des mousquetaires au service. Réception des marques. À Brittany. On s'en va à Béatrice. Frappe de Béatrice qui est récupérée par Florence. Contre-attaque de Pamela, bloqué par Laval. On vient au centre. Le numéro 2, Camille, sa frappe est bloquée partiellement. On échange pour qui? Emma, bloquée par Camille, mais la frappe va à l'extérieur. C'est 8-15. On sent Laval plus confiante. Elle reprenne vie. La 10 accuse un retard encore de 7 points. Il a besoin d'une séquence pour venir dans le match. Emma au service pour Laval. Réception difficile de Florence. On donne tout premier contact à Laval qui contre-attaque immédiatement avec Béatrice. La frappe qui vient marquer encore une fois en 6. C'est 9 à 15. Emma au service. Réception de Pamela. Réception difficile. On vient à elle. Pamela, la frappe est tombée dans le filet. Autour de Mousquetaire à avoir des problèmes en exécution. Et dans un temps d'arrêt de Pascal Allé, l'entraîneur des Mousquetaires. On prend ce premier set, Emma au service. Séquence pour Laval. C'est 4 points d'écart. Réception de Pamela. En elle. Brittany passe à Béatrice. Frappe qui est bloquée partiellement au centre. C'est bien marqué. C'est 12 à 16. Donc on a une question de service du côté de Laval. C'est la numéro 8. Delphine Sigouin. Qui prend la place de Marie Champoux au service. Numéro 7, Alicia Patry qui reprend sa place au filet en remplacement de la numéro 4, Christelle Blais. Camille Fortier au service. Camila Rodriguez Abello qui viendra prendre sa place au service.
qu'on n'arrive pas à contrôler cette réception de service. C'est 14-17. Encore une fois, Laval qui s'accroche, même à plus de 3 points d'écart. Réception de Florence. On remet sur le premier contact à Laval. Contre-attaque, jeu rapide au centre. Bloqué par le c'est la numéro 8, Dani Cajun, qui prend la place d'Audrey Goyette. Pamela Gagné au service pour Montignac. Réception de Béatrice. On revient à elle en 4. Ballon bloqué forcément défensive en ligne arrière. On revient à Pamela. Frappe. Il vient la course diagonale. Reste la ligne. C'est 15 à 18. Béatrice Andra Auden au service pour Laval. Il est toujours en retard, 3 points cette fois-ci. Réception de Florence. Ah, Annel, on s'en va au centre. C'est Alicia, frappe et récupérant défensive. On revient à Emma qui s'est juste frappe sur la ligne défensive de Pamela. Contre-attaque de Florence, mettez au centre. Mais le chance cette fois-ci, Annel, au centre. Cette fois-ci, c'est Alicia, c'est en droit. Dit les mousquetaires ne s'en laissent pas imposer. Concernant leur avance, c'est 19 à 15. Laurence arrive au service pour les Montignac. Réception à Brittany, on s'en va à Emma. Frappe d'Emma récupérée par Audrey. On met à l'avance du premier contact. Aller au service. Réception de Camille. À Brittany, on vient en 4. C'est Emma. Frappe d'Emma sur la ligne. La défensive de Pamela vers l'extérieur. C'est 16 à 20. Donc, la numéro 9, Marie Chapeau reprend sa place en remplacement de la numéro 8, Delphine Tigouin. Liliane Desrenaux au service pour les maraudeurs. Elles accusent toujours un temps de 4 points. On a besoin d'une séquence côté de Laval pour revenir dans 7. Oh, beau service. Passe très près du filet. La réception de l'FA, c'est 17 à 20. Avec Liliane au service. Réception à Noël. On vient à Audrey en 4. Défensive de Béatrice Manchette. Vraiment en 4, la frappe par-dessus bloc de défensive, de la numéro 9, Mathilde sur le point. On met du côté de l'avance, Teddy qui organise une attaque au centre. C'est la numéro 9, Marie Chanceau qui close les bords. Une frappe qui touche le bloc facilement, vient terminer sa course dans la piscine, qui est 18 à 20, c'est 2 points d'écart. Et on vient avec Liliane au service. Réception difficile. Facile à Laval. Béatrice à Brittany passe en 4 à Emma qui doit s'ajuster. Frappe récupérée par la libéro. On revient en 4 à Audrey. Frappe sur la ligne. Alicia Patry au service maintenant pour Montignac. C'est 21-18. Alicia Patry au service toujours. Oh, non, c'est Alice Patry qui tombe sur la ligne à 11. Les lèvres sont du 8. Montignac s'échappe pour le contact d'avance de 5 points d'or dans le 7. Donc, réception à Brittany, on s'en va à 4. Ballon bloqué par Montignac, c'est-à-dire on donne à Laval qui contre-attaque la ligne arrière. C'est la
réception difficile. On donne à Montignac qui est le premier contact. Joe au centre.